c'est cute, chère. Et bien voilà, je vous retrouve pour la suite de Persona 5 Dancing in Starlight. Et nous allons donc attaquer le dernier lien social, à savoir celui des jumelles. Voilà. Alors, je ne vous remontrerai pas le premier, parce que le premier, c'est tout simplement la scène d'intro qu'on a quand on lance une nouvelle partie. Donc, le fait qu'on se réveille dans la Velvet Room et que les jumelles nous racontent ce qui se passe. Donc, on va plutôt regarder le 2 et le 3, que j'avais débloqué pour pouvoir avoir le dernier modificateur de soutien. Donc voilà, alors les règles du bal. Vas-y, racontez-nous les filles. Je suis allée voir les jumelles à la salle d'entraînement. Tu as l'air à l'aise, Sujin. Ta couleur, c'est un bon point. Ça nous embêterait que tu te plantes. Alors mets le feu à la piste de danse. Tu deviens l'invité le plus remarquable. De quoi? Eh oui, on ne t'a pas dit pourquoi on donnait ce bal. Bah oui, ça t'aide tant, c'est vrai. Ce qui souligne ton courage, accepte notre requête sans même connaître la raison. Alors, tu veux savoir? Ce n'est pas un secret après tout. Disons que c'est une affaire personnelle pour nous. J'écoute. Ok, on va te le dire. Ce bal est un concours. Notre honneur est en jeu. On affronte notre grande sœur et son invité. Votre grande sœur? En effet, c'est un peu compliqué. Tu as été invité au club Velvet ou chambre Velvet, c'est selon. Nous contrôlons les forces de ce lieu. Nous sommes là pour te surveiller. C'est bon, tu comprends? Quand un nouvel invité arrive, quelqu'un doit le surveiller. Notre grande sœur veille déjà sur un invité. Donc là, elle nous parle justement de la grande sœur du Persona 3. Donc... ouais, spoiler ou pas, non, parce que voilà. C'est donc... est-ce que je vous le dis ou pas? Oui, parce que de toute façon, je jouerai au Persona 3 Dancing, donc je vous le dis. C'est Elisabeth, donc le personnage s'appelle Elisabeth, de la Velvet Room du Persona 3, qui veille donc sur un personnage qui s'appelle Minato, qui a été renommé Makoto par après, mais moi je l'appelle toujours Minato, parce que voilà, ça a toujours été Minato pour moi, donc ça restera Minato. Et donc voilà, donc c'est donc Elisabeth qui veille sur le personnage, le protagoniste du Persona 3, et donc là, elle nous parle justement de ces deux personnages-là. Comment dire? C'est le vilain petit canard de notre famille. Son dévouement pour son invité est total, elle en perd tout sens commun. Et la voilà qui clame que son invité est l'être le plus remarquable qui soit. Ça va trop loin, nous ne supportons pas cet affront. Tu dois donc montrer à notre sœur qu'elle se trompe. Bonne chance, Shujin. Alors, c'est quelle chance? Et pourquoi la danse? Il y a quelque temps, l'invité de notre autre sœur a résolu un conflit par la danse. Là, par contre, elle nous parle de Persona 4 Dancing. Donc, parce qu'en fait, elles ont... Je savais même pas qu'elles étaient considérées comme des sœurs, en fait. Donc, petit résumé. Dans Persona 3, nous avons Elisabeth qui veille sur le protagoniste de Persona 3, donc Minato. Dans Persona 4, nous avons Margaret. C'est ça, Margaret, qui veille sur le protagoniste de Persona 4, à savoir Soji, de son nom dans le manga papier, ou Yu Narukami dans l'anime. Yu est pas trop mal comme signification, en plus que ça donne. Et donc ici, nous avons les jumelles qui veillent sur nous dans Persona 5. Donc en effet, là, quand elle nous parle justement d'un invité qui a résolu un conflit par la danse, elle nous parle de Persona 4 Dancing, que je ferai un jour quand j'aurai eu le temps de le traduire correctement avec mon amie. Quand le vilain petit canard a vu ça, elle s'est mise en tête d'épater tout le monde avec son invité. Elle voulait prouver que son invité aurait résolu le conflit plus vite. On ne pouvait pas laisser passer ça. Donc vous voyez, c'est pour ça en fait que Persona 5 et Persona 3 Dancing sont moins intéressants que le 4. C'est parce que dans le 4, il y a vraiment toute une intrigue, il y a vraiment toute une histoire et vraiment un danger et un enjeu. Dans Persona 3 et 4 Dancing, c'est juste un concours, entre guillemets, un concours de merde pour décider qui le protagoniste du 3 ou du 5 danse le mieux, en fait. Et voilà, l'histoire en elle-même se base vraiment sur un conflit de sœurs pour dire « Ouais, c'est le mien qui est le meilleur et pas les vôtres, gna gna gna. » Voilà, c'est de la merde, quoi. Oui, j'aime beaucoup Persona 3 et Persona 5 Dancing, mais ils sont rien comparés aux 4. Vous les verrez un jour. D'où l'idée de ce bal? Nous allons reprendre le titre du meilleur invité. Et comment? Les règles sont simples. Les deux invités vont danser et le public tranchera. C'est d'ailleurs pour ça que c'est dommage qu'il n'y ait pas une danse à la fin
qui mettent vraiment en conflit les deux jeux en fait. Vous allez voir, je suis sûre qu'en terminant le lien avec les jumelles, on n'aura pas une danse qui va se débloquer et qui permettra de voir les personnages du 3 et du 5 danser l'un contre l'autre, ce qui est vraiment dommage en fait. Comme tu l'as remarqué, nous ne sommes pas seuls ici. Donc, nous sommes scrutés par les esprits cachés dans le cœur des gens. Celui qui enchantera le plus ce public remportera le titre de meilleur invité. Mouais. Pas besoin de te préoccuper de notre sœur. Concentre-toi sur ta prestation. Et n'oublie pas que notre honneur est en jeu. Pas question de perdre. Vous êtes la voleur fantôme, c'est ça? C'est pas votre domaine, mais vos talents devraient suffire. Touchez le cœur du public. Soyez à la hauteur de votre réputation de voleur fantôme. Rends-nous fiers, Shujin. Les jumelles attendent beaucoup de moi. Au fait, Caroline, tu débloques un peu ces jours-ci. Tu commences à craquer. Tu portes même ton brassard du mauvais côté. Hein? Je te fais marcher. Tu m'as eu! Était-ce bien nécessaire? Bon sang, arrête de rire, tu commences à me taper sur les nerfs. Je les ai laissés pour retourner à ma chambre. Ok. Alors, donc, chasse au trésor maintenant. Ryoji parle avec les jumelles. La forme, t'es là toi aussi? On est en train de discuter. Tu as l'air à l'aise pour danser, Shujin. Le public aussi semble satisfait. N'hésite pas à y mettre tout ton cœur. Comment coupes-tu ce bal? Je veux rentrer. Non mais où est passée ta passion? Tu n'es pas au bout de tes peines. Fatigué? Accorde-toi une pause de temps en temps. Alors comme ça, c'est un concours entre vous et votre grande sœur. Je veux bien qu'on s'amuse, mais qu'est-ce qu'on gagne? J'y viens, il y a bien une récompense. Cool! Je vais le dire à tout le monde. Je peux la voir? Tu es bien impatient, Shujin. Tu dois d'abord gagner. La récompense que nous avons préparée, c'est le prestige. Oh, mais tu parles de récompense? Quoi? Si tu bats l'invité de notre sœur au cours de notre bal, tu seras pour l'éternité le meilleur invité dans le monde que le monde ait connu. Qui sait? Tu auras peut-être une plaque à ton nom, cette pièce. Y a-t-il plus bel honneur? Je ne pense pas. Ça m'intéresse pas. C'est une blague. Tu parles d'une carotte, on se fait avoir, ouais. Souviens-toi que tu dois la gagner d'abord. Allez, te laisse pas aller, Shojin. Attendez, si on perd, on va pas se faire punir quand même. Si vous perdez, vous souffrirez 1 000 maux pour l'éternité, avec nous. L'éternité? Des souffrances si grandes qu'en parler me donne déjà la chair de poule. Vous comptez nous prévenir quand? Ça craint, mec! Calme-toi, comme je l'ai dit, vous allez tout oublier. Même cet enfer éternel dont je parle, vous vous réveillerez comme si de rien n'était. Ne pensez pas aux conséquences de votre échec, assurez-vous juste de gagner. C'est malin. Ce n'est pas tout, il y a autre chose que ça devrait vous intéresser. Sous la piste de danse se trouve un trésor. Ah, tu te réveilles, hein? Quelle récompense superflue pourtant, mais bon, il sera à vous. Ah bah quand même. Je commençais à en avoir marre de tous ces grands discours. Alors, c'est quoi le trésor? Aucune idée. Quoi? C'est l'invité de notre grande sœur, celui qui a résolu ce conflit. Il paraît que lui et ses amis ont gagné quelque chose grâce à leur prestation. Et c'est le trésor dont nous parlons. Ce doit donc être une récompense de valeur. C'est bien vrai au moins. Alors, je suppose que là, elle parle des personnages du Persona 4, puisque techniquement, Persona 3, ils dansent en même temps que nous, donc le jeu se déroule en même temps. Et vu que Persona 4 se passe avant, Dancing, hein, je parle bien sûr, elle doit sûrement parler de ça, mais je me rappelle plus qu'on ait gagné quelque chose à la fin. En même temps, ça fait longtemps que j'ai joué Persona 4 Dancing, hein, je vous avoue. À vous de le découvrir, c'est vous les voleurs, et trouvez le trésor et prenez-le. Quand vous l'aurez, dites-nous ce que c'est, on aimerait bien savoir. Les jumelles comptent sur moi. Bon, on n'a plus qu'à danser pour espérer découvrir le trésor. Et qu'est-ce qu'elles ont ces jumelles? Elles ont l'air folles de toi. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit encore? J'ai évité la question et c'est deux dans ma chambre. Oh purée, elles sont figées. Elles sont figées, quoi. Ok, alors, et ta sœur? Makoto parle avec les jumelles.
Ah, c'est toi. Ta copine est très curieuse. Je voudrais juste comprendre. Ce bal est un concours entre vous et votre grande sœur. Le public doit désigner le vainqueur. Alors on danse, c'est ça? Tout à fait. Vous devez nous aider à gagner. Vous devez aider notre prisonnier à gagner. Nous vous avons à l'œil. Eh bien, merci. Je ferai de mon mieux. Fais pas attention. Bah quand même. Au moins on s'amuse, pas vrai? Au fait, elles nous font une faveur. C'est cool d'avoir un prétexte pour passer du temps ensemble. Vous semblez bien vous entendre. Que ce soit sur scène ou en dehors, vous traînez toujours ensemble. Vous n'en avez jamais marre? Ta peine t'aura au moins apporté des amis. Ils sont la source de ton pouvoir. Ce sont eux la vraie récompense. Puisses-tu en profiter le plus longtemps possible. Vous pourriez parler de votre sœur, c'est à d'autres quelqu'un. Elle est audacieuse et très puissante. Même notre maître a du mal avec elle. Je vois, le jour a donné pas mal de migraines. En résumé, c'est une vraie tornade, voire un ouragan. J'aimerais la rencontrer. T'as du cran, Shujin, et je crois qu'elle respecte ça. Nous n'avons pas à nous plaindre, contrairement à notre frère. La dernière fois que nous l'avons vue, elle lui mettait une drôle de poudre dans la bouche. Une poudre? En tout cas, ça lui a fait courager du feu, un avant-goût de l'enfer pour les vivants. Nous aimons beaucoup notre frère. Il sait s'y prendre pour qu'il notre sœur. Ah, Théodore. C'est un peu inquiétant, mais ça doit être chouette d'avoir une si grande famille. Une famille? Nous sommes parents, oui, mais de là à parler de famille. Vous ressemblez à une famille, et apparemment, vous vous amusez bien. Ça, on ne s'ennuie jamais. Mais parfois, c'est un peu fatigant. On ne sait jamais à quoi s'attendre. Continuez comme ça. Ah, je suppose que ça défoule. Tout le monde cherche à faire valoir son point de vue. C'est normal qu'il y en ait pour élever la voix. Ah, alors c'est normal. Les forces de la création et de la destruction fluctuent et se mêlent dans une mer de feu. Oui, les chamailleries sont sûrement normales entre frères et sœurs. Je ne sais pas si vous pouvez appeler ça des chamailleries. Tu pourrais toujours à nos réunions de famille. Mais si tu perds ta concentration, tu perds la vie. Garde ça en tête pendant que tu te prépares. Ok. J'attends ce jour avec impatience. Ne pense pas qu'on sera sympa avec toi. Tu goûteras notre vraie puissance. Nous nous éloignons du sujet principal. Pour le moment, concentrez-vous sur le bal. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser que dans Persona 5, à aucun moment on peut affronter les jumelles. C'est dommage. Parce qu'il me semble que dans les autres Persona, il y a toujours un moment où on peut affronter le personnage de la Velvet Room. Ou alors j'infabule, mais il me semble qu'il y avait ça. Nous voulons clouer le bec de notre sœur. Tolérance zéro à l'échec, Shujin. Je sais ce que c'est. Vous voulez qu'elle vous respecte, c'est ça? Nous aussi, nous méritons le respect. On va tout donner. Les jumelles Makoto discutent tandis que je retourne dans ma chambre. Ok. Alors, choisir un partenaire par fièvre de la danse disponible à l'écran section des partenaires. Ah, ça peut être cool. Ça veut dire que quand je vais rejouer, je vais pouvoir avoir deux personnages différents par danse pendant la fièvre plutôt qu'un seul. Ah, c'est dommage d'avoir ça maintenant, mais tant pis. J'ai pas regardé le titre, tant pis. Vous aurez eu le temps de le voir, vous. Ah, ma chambre. Les jumelles sont passées me voir. Te voilà, tu fais une pause? Vous voulez quoi? Bonjour à toi aussi, Shujin. Ce serait vraiment embêtant que tu perdes alors qu'on est venu voir comment ça allait. Cette zone est vraiment parfaite, si je puis me permettre. Tu dois te demander comment on a fait. C'était pas de Shujin, pas vrai? Ce n'est pas grand-chose pourtant. Nous avons utilisé notre hypersensibilité. Donc ça suffit de lire dans ton cœur. Tu vois ce que je veux dire? Ne lui donne pas le truc! Contrairement à notre sœur, nous ne connaissons pas le monde extérieur. Ce n'est pas vrai. Tu veux qu'ils nous prennent pour des ignares? Si tu es si maligne, c'est quoi ça? Ce tube gris disgracieux vers la chaise. Elle doit parler du sou. Ah ça sert à... à transporter de l'eau. De l'eau, c'est ça!
Et quand tu as soif, tu l'avales au moins 5 fois par jour. Les humains ont besoin d'eau. Comme c'est embêtant, Shujin. Tu vois, je vois, tu en sais long. Où as-tu appris tout ça? Si on examine d'autres choses, de nombreux objets ne demandent qu'à être découverts. Et cela, on dirait des sacs de sable remplis de galets. Ce sont des munitions. Mets ça dans ton pistolet et tes ennemis mordent la poussière. Oh, c'est pas con en fait, hein. Et ça, il y a deux roues, c'est un véhicule? Ah, oh, que tu es naïf, c'est un instrument. Tu le tiens comme ça, puis tu tournes. Ouah! Les jumelles sont parties pour un long tour. Ah! C'était très éclairant. Je commence à mieux cerner le monde extérieur. C'est un bon début pour une seule pièce. Shujin, tu en voudras plus, hein? Bien sûr. Je m'en rappellerai, Shujin. Si tu oublies, on verra quand même, tu peux en être sûr. Nous avons préparé cette chambre pour ton confort. Alors tu dois tout donner dans ta danse. Ce ne serait pas l'heure de monter sur scène? Carly est impatiente de te voir. Elle est quelque peu anxieuse ces temps-ci, comme si elle couvait quelque chose. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne suis pas tranquille quand elle est comme ça. Alors monte sur scène le plus souvent possible pour Caroline. Mais de quoi je me mêle? Ne te sers pas de moi pour trouver des excuses. Je peux arrêter? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Tu dois continuer la danse pour ta peine et pour la victoire. Mais oui, c'est ça. Quoi? Je ne peux pas tout lui dire. Ah! Après, c'est un gêné, les jumelles sont parties. Qu'est-ce qu'elles m'ont pas dit? Ah, ok, c'est pour ça, c'est les accessoires, ça. Voilà, donc on a encore 3 rangs avec les jumelles, donc on va en apprendre un peu plus. Ok, donc tout va bien. Je les ai. Bah, en même temps, oui, c'est les éléments sociaux, donc là on les a tous vus, donc c'était évident que j'allais les avoir. Ok, la tension monte. Les jumelles préparent quelque chose. Oula, vous n'êtes pas synchro les filles, hein, pas du tout. Nos mouvements n'étaient pas coordonnés, c'est plus dur que je pensais. Oh, arrête de pleurnicher, on doit juste trouver le bon timing comme si on se battait. Allez, maintenant, encore une fois, si notre Shujin y arrive, on peut le faire. Je dérange? Quoi? Ça fait longtemps que tu es là? Il n'y a rien à voir ici, passe ton chemin! Pourtant. Ne l'écoute pas! Qu'est-ce que tu fais? Tu t'entraînes? Tu enchaînes les prestations de qualité, Shujin. Ça a l'air si simple avec toi. Même en considérant ton potentiel, je suis impressionnée. Merci. Ne le flatte pas trop, Justine. Il a encore du chemin à parcourir. Nous nous soucions de ta peine, mais nous savons que tu en es capable. Tu mérites des éloges, Shujin. Je t'ai dit d'arrêter ça! Enfin bref, j'avoue que tu fais mieux qu'on ne le pensait. Le public est ravi et notre sœur a dû le remarquer. Je parie qu'elle va acheter l'éponge. C'est bientôt fini? Ne t'enflamme pas trop vite, les festivités ne sont pas encore finies. Ne parlons plus d'échecs ou de victoires, il y a autre chose à faire. Tu as trouvé quelque chose au sujet du trésor? Souviens-toi, ce n'est qu'en dansant sur scène qu'on peut y arriver. On peut y accéder. N'oublie pas de nous en parler. Alors, du nouveau? J'ai oublié ce truc. Tu as oublié? Tu te fiches ou tu t'en fiches ou quoi? Nous aussi nous cherchons, alors mets-y du tien. Cela dit, quand on te voit danser, on se dit qu'on est pas loin du but. Tu as entendu? Continue de danser, ramène tes fesses à celles de tes amis et sautez comme des cabris. Vous ne partirez pas d'ici avant de l'avoir trouvé. Mais vous cachez peut-être quelque chose, car elles nous en savent de près, de très près même. C'est pour le trésor que je fais ça, et tu en fais autant. Si vous le trouvez, vous pouvez le garder, nous l'avons promis. Faites de votre mieux, Shujin. On compte sur vous. Allons-y. On verra plus tard, Caroline. Tu ne voudrais pas quand même que le prisonnier voit ça? Non, bien sûr. Ok. Costume bleu foncé. Ah, on a débloqué le costume des. Bah là, on a tous les costumes. Et en fait, on a débloqué le costume de la Velvet Room.
Pouvoir être fier. Alors c'est moi ou Futaba a la même taille? Enfin non, techniquement elle peut pas avoir la même taille que les jumelles parce que déjà on voit qu'elle est plus épaisse et tout, donc techniquement elle est en avant. Mais c'est très mal foutu en fait, hein, parce que normalement elle doit être plus grande que les jumelles. Hein. Donc c'est assez mal foutu ça. Ah tu es là! Je viens de tomber sur un os, ou plutôt sur deux os. Tu es là aussi, Shujin. Notre grand bal approche à son dénouement. Tu aimes travailler à la situation du public. Tu entends les cris de la foule, c'est de la folie. Regarde, il te mangerait dans la main. Comme ça doit être excitant. S'il pouvait m'en passer. Pourtant, tu es à fond sur scène. C'est du pop-pop-pop. C'est du pop-pop-pop poker face, c'est ça? En solo, tu fais très fort. Mais en groupe, vous êtes géniaux. Vous êtes parfaitement complémentaires. Il faut dépasser la somme de vos qualités. Et tout ça, alors que vous n'êtes pas dans votre monde. Très impressionnant. Oui, je suppose. Vous avez chacun votre style, mais vous savez jouer collectif. Face à l'adversité et aux épreuves, vous vous faites confiance. Ces qualités nourrissent vos performances. Vous nous avez impressionnés. Enfin, quoi de plus normal quand on joue sa vie? Le mérite te revient, Shujin. On a su se dépasser. Pourtant, j'ai souvent cru qu'on n'y arriverait pas. Nous n'entendons pas moins de notre invité. Après tout, nous l'avons personnellement guidé dans sa réhabilitation, n'est-ce pas, Justine? Si tu es fière de notre Shujin, dis-le lui. Elle va se détendre un peu à la fin. Non, tais-toi, pas si vite! Vous avez trouvé le trésor? Ne perdons pas de vue l'essentiel. Il existe vraiment? J'ai passé l'endroit où pas une fin et rien. Dis, qu'en penses-tu? C'est du pipeau! Non mais quelle toupée! Vous l'avez pas trouvé, vous n'avez pas le moindre indice. Et vous vous appelez des voleurs fantômes? On peut pas vous faire confiance. Heureusement, on n'est pas resté les bras croisés. Comment ça? Vous voulez savoir? Nous aussi, nous sommes entraînés au cas où il faut rechercher nous-mêmes. Nous allons donc danser avec vous tous. Nous vous solliciterons le moment venu. Et si on refuse? Ce n'est pas ce qui était prévu. Et si on fait ça, c'était pour trouver le trésor et le garder. Dans ce cas, pourquoi pensais-tu alors que Shushin quand on s'entraînait? Ah, la ferme, la ferme, la ferme! Caro va exploser! Allez, Justine, ça suffit. Elle a un cœur sensible, elle aussi. Très bien, désolée pour tout ça. Pour en revenir au trésor, nous avons tout de même une vague idée de son apparence. Sérieusement? Crachez le morceau! L'un des invités de nos sœurs a trouvé quelque chose de précieux sur scène. Vous pouvez sûrement le trouver aussi. Nous croyons en vous. Quoi? Ça vous en va beaucoup? On vous laisse. À plus tard pour reprendre l'entraînement. J'ai envie de mourir. Que mon âme s'évapore dans le néant. Oh, la pauvre. Modificateur autre. Difficulté de la jauge de ferveur. Ah, c'était ça que je cherchais. Voilà, donc là, on a débloqué tous les trucs de modificateurs, ok. Et le dernier rang, donc. Je suis en train de débloquer les derniers trophées. Enfin, pas tous, parce qu'il y en a qui sont compliqués, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Alors, les jumelles m'ont convoqué. Les autres sont là aussi. Donc c'est le dernier, là, techniquement, le jeu va être fini, hein, je crois. Je me demande ce qu'elles veulent. Vous pensez que la fête est finie? Elles vont peut-être annoncer le vainqueur, nous, évidemment. Tu ne penses pas? Quand même, on n'avait jamais assuré. C'est vrai. Oui, nous avons été brillants. Nous pouvons être fiers. Ça ne ressemblait pas à un concours. On s'est tellement amusés. Vous avez tous assuré. Victoire ou pas, je pense qu'on a compris notre mission. C'est un peu triste de se dire que c'est bientôt fini. Qui a dit que c'était fini? Ce n'est pas à vous d'en décider. Ça fait plaisir de vous voir tous réunis. Il y a quelque chose qui a changé sur vos visages. C'est le plus grand succès de ce bal. Vous n'avez pas perdu votre temps. Oh non, encore ces discours interminables. Elles sont un peu théâtrales, c'est vrai, mais bon, je trouve ça mignon. Nous avons enchanté la foule comme vous le vouliez. Donc on a gagné, non? Gagner, perdre, quelle importance. Nous sommes trompés. Il est vain de vouloir établir une hiérarchie entre nos invités. Tout ça pour rien au final. Hein. En fait, c'est mission impossible. Notre grande sœur en est venue à la même conclusion.
Donc au final, elles ont créé ce bal pour se battre, et au final, elles se disent « Non, ça va, en fait, ils sont égaux, ils sont tous aussi forts que les autres, c'est pas la peine de les comparer. » Voilà. Donc en gros, le jeu n'a servi à rien. Voilà, voilà la morale de cette histoire, le jeu n'a servi à rien. Vous avez passé toutes les épreuves et renforcé votre combativité. Dans ces conditions, ravir le public n'était qu'une formalité. Ce bal est un succès grâce à vous, ça nous suffit. Match nul alors, on peut se contenter de ça? C'est une victoire pour les deux camps. Notre Shujin s'est montré à la hauteur et a fait un invité remarquable. Telle est notre décision, d'accord Caroline? C'est indéniable, nous te reconnaissons en tant qu'invité le plus remarquable. Waouh, un compliment tout arrive. Les amants de ce soir resteront dans l'histoire de ce lieu. Shujin, ton nom résonnera à travers les âges. C'est la récompense promise. Accepte-la humblement, Shujin. Non, merci. Hein? Ne te montre pas si respectueux. C'est un grand honneur qui nous est fait. Nous allons tout oublier si elle disait vrai. Et donc, et le trésor, on sait toujours pas ce que c'est. N'était-ce point une ruse pour s'assurer notre participation? Ça ne me surprendrait pas. Bah, on s'est tellement amusé. C'était ça le vrai trésor. On a passé du bon temps tous ensemble. Lady Anne, c'est brillant, c'est toi le vrai trésor. Vous avez enfin compris. Oui, vous avez trouvé le trésor. Vous êtes digne du nom des voleurs fantômes. Bah oui, évidemment, pas de trésor. Hein, comment ça? En vous regardant, nous avons eu une révélation. La danse a fait ressortir le meilleur de vous tous. Vous avez rayonné. Vous voir danser avec tant de cœur, c'est inestimable. Voilà la vérité. La chose précieuse dont nous parlions, c'était l'expérience. En d'autres termes, le trésor était en vous depuis le début. Ouais, j'avais compris. Ah, le pouvoir de l'amitié, comme c'est original. Mais il y a du vrai, c'était vraiment cool. Le trésor était donc bien Lady Anne. C'est pas ça du tout. Nous avons trouvé le trésor, ils vécurent heureux et hurent, pas vrai? Mais le bal n'est pas fini, qu'est-ce qu'il nous reste? Vous avez fait cet événement quelque chose de phénoménal. Et vous avez trouvé le trésor. Cela mérite une autre récompense. Alors, nous allons vous donner autre chose. Mais pour ça, le bal doit continuer. Cette récompense, c'est... pas la peine. Ne dis rien, c'est important, Shujin. Tu dois accepter cette récompense, c'est un ordre. La récompense, c'est... de nous voir rejoindre le bal en tant que danseuse. Oh! Vous avez bien entendu. Nous allons monter sur scène et montrer nos talents. Nous allons tout donner pour notre danse. Gravez bien ces images dans votre tête. Après tout, nous aussi, nous voulons toucher ce trésor du doigt. Ressentir la magie de la danse comme vous tous. Je le savais, vous êtes jalouse de nos super mouvements. Allez, Shujin, nous avons besoin de ton aide. Tes danses nous ont beaucoup inspiré lors de nos entraînements. Caroline, en tout cas. Eh ben quoi? C'est notre invité le plus remarquable. Nous devions de suivre son exemple. Mais oui, la bonne excuse. Ce n'est pas une excuse, c'était mon plan depuis le début. Disons ça, bien Shujin, à toi de continuer ce bal. T'as entendu Joker, je t'accompagne. On reforme notre groupe alors. La nuit ne fait que commencer, alors profitons-en. Ouais, montre-nous un peu. Et si on trouvait un cri de victoire pour fêter ça, monsieur l'invité remarquable? C'est là la dernière mission, faut pas se rater. Allez hop, on y va. Bien, c'est décidé! Prom sur la scène! Allez, c'est maintenant! Mona est à fond. Poussez-vous, j'arrive! Donc, il nous reste une dernière danse. Donc, on va finir cette vidéo sur la dernière danse. Hein. Je sais plus ce qu'elle va se débloquer. Allô? Ah, d'accord. Générique! Ok, générique! Ben voilà. Ben, si vous voulez que je vous dise, je vous laisse le générique. J'espère qu'il est pas trop long quand même. Donc voilà. Donc, c'est ainsi que se termine Persona 5. Je pense qu'après le générique, on débloque donc la fameuse danse où les jumelles vont se mettre à danser. Donc on va essayer de voir ça quand même. Je vais pas faire une vidéo juste pour ça, donc on va attendre la fin du générique et je vous la montrerai après. Donc la vidéo sera plus longue que les autres, mais comme ça au moins... le jeu sera fini et vous aurez vu bah, techniquement tout.
Il y a peut-être une ou deux danses que vous n'avez pas vues parce que je ne les ai pas forcément toutes faites en vidéo. Mais en tout cas, je vous ai montré les plus importantes, les plus intéressantes aussi. Mais voilà. Donc pour en revenir à ce que je disais, oui, si vous ennuyez et que vous voulez passer un petit peu de temps à vous détendre et tout, le jeu peut être amusant pour ces danses. Mais voilà, il n'y a pas de scénario, c'est juste un jeu de danse un peu à la con, un jeu de rythme assez facile à faire quand même. Enfin bon, je vous ai pas montré la difficulté All Night. La difficulté All Night, elle est monstrueuse. Hein, voilà. Mais voilà, donc... non, honnêtement, si vous voulez un bon jeu de rythme avec un scénario intéressant, je vous conseille plutôt Persona 4, parce que lui, il a vraiment un scénario ultra intéressant. Promis, quand il sera traduit avec moi et mon ami, je vous le ferai en vidéo, mais pour l'instant c'est un peu compliqué, puisque lui il est encore en anglais, et vous savez bien que moi l'anglais, je peux le comprendre pour moi, mais le traduire pour quelqu'un c'est beaucoup plus compliqué, j'ai pas les compétences pour ça. Mais voilà. Donc encore une fois, ce qui est très dommage, c'est que on part d'un principe justement d'avoir un concours entre l'équipe du Persona 3 et du Persona 5, et au final ça se termine juste en « ouais non, match nul, nos pensionnaires sont aussi bons l'un que l'autre et tout ça », donc au final ça revient à dire que le jeu ne sert à rien, littéralement. Et encore une fois, ce que je regrette beaucoup, c'est le fait qu'il n'y ait pas de danse pour accoupler les deux jeux, pour vraiment dire « oui, les deux jeux sont liés », non, pas du tout, on n'en a rien à foutre en fait. Et ça c'est vraiment un truc que je trouve vraiment très très dommage. Que justement, ce résultat qui aurait été bien, c'est que à la fin du jeu, avoir la danse avec les jumelles, d'accord, mais aussi avoir une danse où les deux équipes seraient réunies. Voilà, ça aurait vraiment mis un point final et un lien vraiment entre les deux jeux, puisque les deux jeux sont sortis en même temps, je rappelle. Hein. Mais voilà. Donc, c'est ma grosse déception du jeu, mais que voulez-vous que je vous dise. Et en plus, on n'a même pas Akechi. Alors faut savoir que quand le jeu est sorti, je vous le dis clairement, quand le jeu est sorti au tout début, il y avait un DLC pour avoir Akechi en fait. Le problème c'est que il a été téléchargeable sur un très court laps de temps et il est plus disponible maintenant. Le DLC pour Akechi n'est plus disponible. Je ne l'ai plus jamais retrouvé, même sur le store de la PS4 ou quoi que ce soit. Je n'ai plus jamais retrouvé ce DLC. Et donc voilà, donc on peut plus jouer à Akechi dans les DLC, et je trouve ça vraiment très très dommage, parce qu'il était intéressant. Et donc voilà, d'ailleurs, de mémoire en plus, le DLC était assez chaud à choper, parce que moi j'avais réussi à l'avoir, mais mon ami qui a eu le jeu plus tard que moi n'a plus réussi à le récupérer justement. Donc quand je vous dis que le DLC a été offert sur une très courte période de temps, c'est pas des mensonges. Donc voilà, donc ouais, c'est dommage. Surtout qu'en plus, avec la réédition du Persona 5 Royal, on aurait cru qu'ils ajouteraient un DLC pour ajouter Kazumi. Mais au final, non. Ils ne l'ont pas fait. Donc voilà. Bah, avec tout ça, le générique est fini. Donc voilà, magnifique. Il n'a pas été trop trop long. J'ai pu blablater pendant tous les génériques. Ah, quand même. Voilà, donc on a une chanson qui s'est ajoutée. Et donc bien sûr, c'est la chanson des jumelles. Alors, allons y jeter un œil et je vais donc vous la faire pour terminer la vidéo. Ouais, ça va, j'aurai d'avoir tous les derniers trophées. Alors, où est-elle? Non. Oui, là j'étais en hard. Voilà, c'est celle-ci. Donc là, on voit bien que ce sont les jumelles qui dansent. Et on peut avoir deux partenaires. Alors, si je me mets en mode facile, qui est-ce qui danse avec elle? Ah, on a... Bah voilà, ça, la deuxième, c'est Elisabeth. Donc, la personnage du Velvet Room du Persona 3. Donc voilà, intéressant, on pourra la voir. Si je me mets en normal, qui est-ce qui danse avec, avec les filles? Eh bah là, on a Théodore. Voilà, donc le garçon, c'est Théodore. Encore une fois, le personnage de Velvet Room... du Persona 3, mais avec la protagoniste et pas le garçon. Et si je me mets en hard, est-ce qu'on a celle du Persona 4? Ah bah non, ça reste Elisabeth. Donc Persona 4 n'a pas droit à son personnage Velvet Room dans le truc. En même temps, ce serait cohérent. Alors avec qui j'ai envie de danser? Est-ce que je veux danser avec Margaret ou avec Théodore? Je sais pas.
Je vais danser avec, avec Margaret, comme ça au moins vous aurez pas trop de. Vous n'aurez pas trop de trucs à l'écran et vous pourrez bien profiter de la vidéo. Donc voilà, je vais lancer la vidéo. Alors attendez, qu'est-ce que je vais lancer Ça, je vais l'enlever quand même. Je garde l'auto-scratch, parce que moi ça me permet de me. D'être plus tranquille. C'est quoi ça? Difficulté de la jauge de ferveur. Je sais qu'il y a un trophée, donc je vais mettre easy pour avoir la difficulté du mode de ferveur. Ok, on y va. Voilà, je vais donc lancer la vidéo. Ouais, je vais laisser le costume pour Mona, c'est pas un problème. Voilà, donc je lance la vidéo, je vais mettre plus de volume et je vous retrouve après. A tout de suite! Won't be any trouble. I can sense a great power. Where is this? King crazy! Est-ce que j'ai laissé mon micro branché pendant que je faisais ça? Je ne suis pas sûre. Il me semble que non, mais bon, peu importe. Voilà. Donc, vous avez vu les jumelles danser. Donc, en effet, elles se sont pas mal inspirées des différentes façons de danser des autres, puisqu'on a vu un petit peu plusieurs styles de danse pour les filles. Donc, voilà. Et vous avez vu Margaret danser. Morgana est disponible. Ah, on a encore une nouvelle danse. C'était quoi cette danse? Attendez. Ah, c'est rien. Enfin, c'est rien. Voilà, peu importe. Donc voilà, donc on a débloqué la danse et tout ça. Donc il y a encore quelques petits trucs à débloquer. Mais bon, moi je vais m'arrêter là. Le jeu s'arrêtera ici. Je n'en ferai pas plus puisque vous avez vu tous les liens sociaux. Donc voilà, à moins que vous vouliez encore voir une ou deux vidéos entre guillemets, hors série pour voir quelques danses, dites-le moi. Mais sinon, moi je m'arrête là. J'espère que le jeu vous aura plu. On se retrouvera sûrement pour le Persona 3 Dancing in Moonlight. C'est comme ça qu'il s'appelle lui. Donc voilà, allez, je vous laisse là et je vous dis...
Ciao tout le monde!